Ce cours est lié, Bezrat Hashem, à Refoua Shelema, Refoua Tanjesh, Refoua Tagouf, bientôt, Bekarov, Mamash, Bezrat Hashem, de Chaya Bitya Bat Johanna Dina, El Narefanala, El Narefanala, El Narefanala, Sotor Yel Mada, Bechani Ratzon, Omar Amen. Chers amis, comme vous le savez, Chachamim nous disent que rien n'est gratuit sur terre. Ça veut dire que lorsqu'on va profiter de quelque chose, on va jouir de quelque chose, eh ben, c'est payant. On va devoir le payer. On a des mérites. Et on doit payer de nos mérites. Et tout ce qu'on peut recevoir dans ce monde-ci, tout le luxe qu'on s'autorise, toutes les choses, tous les profits, tout ce qu'on a dans ce monde-ci, eh bien c'est payant, on le paye avec des mérites. Dis Rachamim, bon, c'est angoissant, parce qu'on va arriver en haut, ils vont être où tous nos mérites? Oh, on aimerait bien se servir de nos mérites dans ce monde-ci pour accéder en Olam Haba, qui est l'essentiel, qui est la finalité. On nous dit, ouais, mais ici tu payes, tout ce que tu fais tu dois payer. C'est angoissant. Mon ami Rav Shmuel Olivier m'a dit quelque chose de très joli. Et regardez combien cette idée elle est forte, et je suis sûr qu'elle est vraie. Il a dit comme ça. Vous savez très bien que lorsque je travaille pour une compagnie, pour une boîte, une société, et que cette société elle m'envoie pour un voyage, un déplacement, elle me dit va dans tel pays, et là-bas tu vas aller parler, on va te fixer des rendez-vous, tu vas travailler pour le bien de la société. Eh bien, c'est évident que le trajet, le vol, il est payé par la société, et que la société, plus elle est grande, plus elle veut que moi je sois de bonne humeur et que moi je fasse bien mon travail, plus elle va me payer des bonnes conditions, et elle va me donner des tickets restaurant, va manger combien tu veux, autant que tu veux, tout ce dont tu as besoin. Et elle va me payer l'hôtel, et pas n'importe quel hôtel, un bon hôtel. Tout ça pourquoi? Parce que la société elle est consciente que je vais travailler pour la société, et donc il faut que je représente bien la société, et donc il faut que j'ai des conditions tout à fait normales, les meilleures possibles. Est-ce que la société elle va dire à la fin du mois, non, 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 toi on t'a permis l'hôtel 5 étoiles, on t'a permis telle, telle et telle chose, on t'a mis en première classe dans l'avion, ça y est c'est fini, tu ne recevras pas de salaire. Mais pas du tout, bien sûr que je recevrai un salaire. Parce que dans la mesure où je vais pour le bien de la société, c'est la société qui essuie toutes les dépenses, qui paye toutes les dépenses. Vient mon ami et il me dit, quand on vient sur terre, parce qu'on a été envoyé par Akadosh Baruch Hu, qu'on est bien conscient qu'on est ici pour faire la shlichut d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes tous ici des ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu, des émissaires d'Akadosh Baruch Hu. Il nous a envoyés ici pour diffuser sa Torah, pour montrer à toutes les nations combien le judaïsme est beau et fort. Dans la mesure où je suis sur terre pour ça, alors oui, effectivement, parfois j'ai besoin d'un peu de vacances. Parfois j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de bien manger pour être en bonne santé. Tout ça, qui est-ce qui le paye? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas la peine de payer de nos propres mérites. C'est Hachem qui paye. Si par contre on arrive sur terre en disant « Non, non, moi je suis ici pour moi. Le bon Dieu, ban, qui se mêle pas trop de ma vie. C'est moi, je suis ici pour moi, pour mon bien, pour ma carrière, pour ma notoriété, pour mon kiff, pour mon plaisir. » Ah, si t'es pas ici, conscient que tu viens être l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, c'est à toi de payer. Mais comment tu vas payer? Eh bien, tu payes avec tes mérites. Vous allez me dire, mais non, on paye avec l'argent. Quand j'achète au supermarché, je paye, oui, mais d'où t'as la parnassa? Akadosh Baruch Hu, il te la donne. Pourquoi? Parce que il prend de tes mérites pour te donner de la parnassa. Combien c'est dommage. Alors, soyons conscients, mes chers amis, que nous sommes ici pour servir Akadosh Baruch Hu de toutes nos forces. Et même si de temps en temps, le Yetzara, il essaye de détacher notre esprit de cela, essayons sans arrêt de nous en rappeler. Tout, mes chers amis, et bien, à